Qu'est-ce que tu fais si ton conjoint te dit qu'il veut un bébé? Ouf. Ah. C'est la question ultime. Moi j'ai dit oui, absolument, maintenant. Maintenant tout de suite ou? Oui, non. Ouais, faut réfléchir avant de faire des enfants. J'espère que j'aurai des garçons. Oui. C'est un truc fripé, là. Minuscule. Simplement, je dirais, écoute, c'est pas trop d'actualité. Très pragmatique, très factuel. Chérie, tu veux un bébé, très bien. Et bah, tu te bouges, tu passes ton permis, tu te trouves un emploi fixe. Non, faut rester cohérent. Et ben, je l'oriente vers un donneur de sperme. Je serai flattée. Pour être prêt à faire des gamins, faut être. J'adorerais avoir un enfant, j'adorerais avoir plein d'enfants. Oui, moi aussi. Bah, j'enlève la capote et... Doucement, je prends pas ma pilule. Et alors, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si t'avais un bébé? Ça change tout. Finesse, t'as pas de vie pendant 25 ans, quoi. Moins de sommeil, de sexe. Tu peux plus voyager, tu peux plus sortir, tu peux plus te boire la gueule tranquillement. Tu perds un peu tes potes, quoi, hein, aussi. Hein. C'est des frais. Tu me dis, t'as plus d'argent de ta vie. C'est un peu un boulet, quoi. Faut être prêt aussi à s'inquiéter. Accouchement et tout, non. Non, non, c'est affreux. T'ouvres une porte dans ta propre vie et tu te réalises, quoi. C'est vraiment un bonheur, quoi. J'ai une amie, on lui a fait une césarienne. C'est un deuxième monde, en fait, que tu découvres. Et le lendemain, en fait, les fils s'étaient défaits, ça s'était réouvert. C'est ça qui est mortel, en fait, c'est que t'es aussi noche. Donc elle avait tous ses organes qui étaient un peu mal foutus. T'es devant un putain de film qui vient de toi et tu sais pas comment ça finit, enfin c'est... Il a fallu passer la serpillière, hein. Moi, je trouve ça cool, quoi. Et moi, j'aimerais bien. Je pense que je serais content. J'aime les enfants. Et bon, si on s'aime... Et bah, tu verras avec ton amoureux. Et puis on le fait, ça marchera quand même. J'adore avoir des bébés.